Le quatrième recensement général de la population et de l'habitat a débuté ce matin. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donné l'exemple en recevant les agents recenseurs à sa résidence pour son recensement. Son épouse, Madame Dominique Ouattara, a aussi été recensée. Journée internationale de la francophonie édition 2014. Les festivités pour la promotion de la langue française démarrent ce lundi ici en Côte d'Ivoire, mais la cérémonie officielle a lieu le 20 mars prochain. All right, good night, très bien, bonne nuit. Ce sont les derniers mots adressés à la tour de contrôle de Kuala Lumpur que l'on prête à la personne qui avait le contrôle du Boeing 777 à destination de Pékin avant de disparaître des radars, ce qui entérine encore davantage l'hypothèse d'un détournement du vol de la Malaysia Airlines. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RT. Nous émettons à partir d'Abidjan. Le quatrième recensement général de la population et de l'habitat a débuté ce matin sur l'ensemble du territoire national et prendra fin le 16 avril prochain. Cette opération est pilotée par l'Institut national de la statistique. Elle mobilise 30 000 agents et coûtera 12 milliards de francs CFA répartis entre l'État du Côte d'Ivoire et ses partenaires au développement, dont le Fonds des Nations Unies pour le développement. Le président de la République, Alassane Ouattara, premier citoyen du pays, a donné l'exemple ce matin en recevant les agents recenseurs à sa résidence pour son recensement. Son épouse, Madame Dominique Ouattara, a aussi été recensée. Pour cette opération de recensement, il y a eu des tournées de sensibilisation dans plusieurs localités du pays. Voyons avec Christelle Ménon, celle qui a eu lieu à Yamoussoukro. Le quatrième recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire démarre ce lundi 17 mars. Pour rappel, le lancement officiel de la campagne de sensibilisation a été fait samedi dans la région du Béké. Albert Mabry-Touakeus, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a poursuivi sa tournée de sensibilisation dans la région du Bélier. Président de ce quatrième recensement général de la population et de l'habitat, il en a expliqué les enjeux aux autorités administratives, coutumières et religieuses de la région. Ça permet à l'État de bien programmer les choses. Ça permet à l'État de savoir qui mérite quoi. Si nous fixons des critères pour dire quand vous avez 1000 personnes dans votre village, vous avez droit à une école. Quand vous avez 2000, vous avez droit à un centre de santé. Mais si nous n'avons pas les chiffres corrects, évidemment, et l'État et ses démembrements que sont les collectivités, je parle des conseils régionaux et les communes, auront des difficultés à planifier. Identifier les personnes vivant sur le territoire ivoirien pour une mise en œuvre cohérente d'actions de développement économique, social et environnemental. Le dernier recensement de la population et de l'habitat date de 1998. Le recensement 2014, qui se tiendra du 17 mars au 16 avril, permettra au pays de disposer à nouveau de données fiables et quantifiables. 3000 agents recenseurs, encadrés par l'Institut national de la statistique, parcourront le pays. Autre sujet, parlons de la Journée internationale de la francophonie édition 2014. Les festivités pour la promotion de la langue française démarrent ce lundi ici en Côte d'Ivoire, mais la cérémonie officielle a lieu le 20 mars prochain. Les forces ivoiriennes se trouvant dans la commune de Yopougon viennent de bénéficier de matériels informatiques et bureautiques. L'initiative est du premier magistrat de Yopougon, Gilbert Kafana, connaît. Ce matériel de plus de 25 millions de francs CFA va contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces forces. Grâce Kando. Le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana, offre du matériel informatique et bureautique aux forces de défense et de sécurité de sa commune. Ce matériel, d'un coût de plus de 25 millions de francs CFA, servira à équiper les services. Selon Gilbert Kafana, Yopougon fait partie des communes du district d'Abidjan qui ont été fortement secouées pendant la crise post-électorale. Plusieurs services publics ont été pillés, notamment les postes de police, de gendarmerie et les casernes de sapeurs-pompiers. Ce matériel est donc une contribution à l'amélioration des conditions de travail des policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers de Yopougon. Les forces de l'ordre sont souvent mal équipées, avec du matériel qui n'est souvent pas d'actualité
et il faut donc faire en sorte à leur faciliter la tâche. L'État ne peut pas tout faire. Nous sommes le prolongement de l'État et nous avons décidé d'assumer nos responsabilités à leur côté en les accompagnant dans cette mission. Une initiative appréciée par le porte-parole des bénéficiaires qui promet en faire un bon usage. Cet appui qui vient de nous faire va renforcer naturellement nos capacités. Vous savez que depuis la crise, tous les services ont été sinistrés. L'État a fait sa part. Le maire de Yopougon vient également en appui. Donc tout cela va nous permettre de travailler pour le bonheur des populations de Yopougon. Le premier magistrat de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana, n'entend pas s'arrêter là. Il promet une dotation annuelle en carburant de 45 millions de francs CFA aux forces de défense et de sécurité. Autre information, le secrétaire général du Rassemblement des Républicains, Amadou Soumaoro, était en tournée à Bayota. Il a invité les populations de cette localité à une réconciliation véritable. Il a aussi rappelé les actions du président de la République, Alassane Ouattara, qui, selon lui, milite en sa faveur pour un second mandat de 5 ans. Gabriel Zanilou Emmanuela. C'est sous escorte de moto que le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains est arrivé sur les lieux du meeting à Bayota, sous-préfecture d'environ 50 000 habitants. Ici, à la place publique de Bayota, le meeting s'est transformé en réjouissance populaire. Mais au-delà de ces moments festifs, le ministre Amadou Soumaoro a réitéré les mêmes messages. Fraternité entre les populations et soutien au président Alassane Ouattara aux élections de 2015. En moins de 2 ans, des populations qui se regardaient en chien de faïence, aujourd'hui, sont assises les unes à côté des autres. Les communautés qui n'acceptent pas de se saluer, aujourd'hui, s'embrassent, aujourd'hui, se saluent, confraternisent. Ça, c'est le fruit d'une politique. Et c'est cette politique que le président de la République m'a demandé de venir porter à Bayota. Mais en même temps, de leur annoncer la nouvelle qu'en 2015, il sera candidat à la présidence. Pas pour lui, mais pour parachever l'œuvre immense qu'il a commencée. C'est la première fois qu'un haut responsable du RDF visite la localité de Bayota. Cette visite d'Amadou Soumaoro a réjoui plus d'un. C'est la première fois que le secrétaire général d'un autre parti, autre que le FPI, visite Bayota. Bayota qui était considéré comme le bastion du FPI. Donc c'est une grande joie pour moi. Et vu cette mobilisation que nous voyons, nous pensons que les populations sont en phase avec le parti. J'ai été la première commissaire politique à Ouagadougou. Et donc, on se cachait dans les tréfonds pour pouvoir parler du RDR. Aujourd'hui, l'heure est venue de mobiliser le RDR et inviter d'autres personnes, d'autres sympathisants, d'autres membres à nous rejoindre parce que nous avons le meilleur avec nous, qui est le docteur Alassane Ouattara. La tournée de mobilisation du secrétaire général par intérim du RDR dans la région du Gor se poursuit. Zegonifla et Oumé sont les prochaines étapes annoncées. L'eau potable manque dans les ménages à Diabo, dans la région de Gbeke. Les femmes sont obligées de se diriger vers les puits pour leurs besoins en eau et la qualité importe un peu. Soro Corona, Kwadio Kwame, RT Boaké. L'eau devient une denrée rare dans les ménages à Diabo. Depuis le mois de novembre, les populations de cette localité ne connaissent plus la saveur de l'eau provenant des robinets. Et pourtant, de nombreuses initiatives ont été prises dans le cadre du programme présidentiel d'urgence pour soulager les populations de la région de Gbeke. Des raisons techniques sont à la base de cette insuffisance en eau. Le réel problème de Diabo, ce n'est pas un problème en tant que tel, il y a l'eau. Il y a l'eau même, le forage, le premier forage marche. Mais il y a eu assez d'abonnés dans ces temps-ci. Quand il y a eu le programme PPU, l'eau n'arrive plus au château. Quand l'eau vient, ça ne vient jamais au château. Il y a eu un deuxième forage que l'eau n'est pas déjà fait faire. Mais il manque la tuyauterie. La situation est devenue plus que préoccupante avec la saison sèche que connaît la région. Les marigots et autres sources d'approvisionnement en eau ont tari. Les femmes déploient assez d'énergie pour satisfaire leurs besoins en eau. Peu importe la qualité du liquide précieux. L'eau est très sale, comme vous-même le constatez. Eux, ils s'en vont laisser au repos jusqu'à avant qu'elles ne prennent un peu pour boire. Même mes enfants, souvent, ils sont malades. Et je les envoie toujours à l'hôpital. Dernièrement, avant-hier,
ma dernière, elle était vraiment malade, il l'a envoyée à l'hôpital. À Diabo, le problème d'eau se pose avec acuité chaque année et à la même période. Les autorités et la population souhaitent la résolution définitive de cette triste situation. Il nous a donné l'information que la tuyauterie est commandée et nous pensons que certainement dans un délai d'un mois, peut-être deux mois au maximum, la tuyauterie sera en place et que la connexion sera faite pour résoudre définitivement le problème d'eau de la ville de Diabo. Seule la pompe de la mairie approvisionne les foyers en eau potable. Cette pompe ne répond toujours pas aux attentes des femmes. Elle est souvent en panne. Des risques d'épidémie de choléra et autres maladies diarrhéiques ne sont pas à écarter si la situation perdure. L'organisation humanitaire catholique La Caritas apporte son soutien pour la réintégration durable des rapatriés ivoiriens. Elle a offert des équipements médicaux et des mobiliers pour la prise en charge de ces rapatriés au nombre de 20 000 vivants à l'ouest du pays. Thérèse Tapeyoboué. Le matériel médical remis au centre de santé de Danané et de Toulepleu est composé de tensiomètres, de conservateurs de vaccins, des lits de consultation, de cuvettes de pansements et bien d'autres. Le tout pour un coût total de 12 millions. Un don de la Caritas qui vient soulager les populations vulnérables. L'aboutissement a un long processus qui a commencé depuis mai 2013 et qui aussi voit aujourd'hui la remise effective des dons que nous avions sollicités. Nous apprécions le bon du jour, nous en sommes très reconnaissants. Outre cet appui, plusieurs autres projets visant la réintégration des rapatriés ivoiriens, 12 000 au total dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, sont en cours de réalisation, notamment la réhabilitation des centres de santé et le financement de plusieurs activités génératrices de revenus. Suite aux différentes crises qu'a connu le pays, les infrastructures sociales de base ont été détruites, notamment les infrastructures médicales. Sans compter qu'auparavant, avec l'accroissement de la population, il n'y avait pas assez d'infrastructures, il n'y avait pas assez d'équipement. Et cet équipement que nous avons apporté contribue à la prise en charge, à la réintégration des personnes rapatriées qui reviennent de différentes zones du Côte d'Ivoire. L'engagement des organismes aux côtés des réfugiés ivoiriens rentrés au pays depuis 2011 contribue à créer le développement et à favoriser la promotion humaine. De nombreux villages en Côte d'Ivoire attendent encore d'être dotés d'un centre de santé. C'est le cas de Zenzenou dans la région d'Abangourou. Dans ce village de la sous-préfecture de Yakassé-Féyassé, les populations sont obligées d'aller ailleurs pour se faire soigner, nous dit Eugène Atoubé. Zenzenou, région de l'indigné Guablin, plus de 4000 habitants, un village moderne où les acquis en termes de commodité ont perdu de leur superbe. Ici, les pompes de desserte en eau potable sont hors d'usage. Et l'accès aux soins de santé est l'un des maux qui troublent le sommeil des populations. Un gros village comme Zenzenou, on n'a pas de maternité, on n'a pas d'hôpital. Quand on est malade, si c'est la nuit, bon, il faut aller à Sankadiokoro. Bon, il n'y a pas de voiture. Avec les coupeurs de route, on a peur. À faire de l'hôpital, là, on se débrouille. C'est les médicaments des Ghanéens, Patel, on se défend aussi avec. Zenzenou, pour l'heure, doit se contenter de cette clinique de fortune. Mais pour des services de santé fiables, les structures sanitaires de Sankadiokoro et Yakassé-Féyassé sont une aubaine pour les populations, au regard de la qualité de leur accueil et de leurs plateaux techniques respectifs. Pour autant, le problème réside dans leur accessibilité. Nous avons bénéficié d'un projet PNGTR. Nous avons pu apporter la caution sur notre apport personnel. Et le projet même avait démarré. Il y a eu la crise. Nos entrepreneurs nous ont abandonnés. Voilà où en est aujourd'hui le projet de construction de la structure sanitaire de Zenzenou, lancé depuis l'année 2008. Un bâtiment inachevé, mais couvert pour être le logement de l'infirmier et un autre inachevé aussi, tenant lieu de dispensaire. Les deux bâtiments abandonnés sur un site devenu champ de manioc. Dans l'euphorie du projet, avant terme, une bonne partie du mobilier et de l'équipement médical a été déjà réceptionnée et soigneusement conservée. Mais jusqu'à quand pour ne pas que tout ce matériel soit périmé? Aujourd'hui, tout Zenzenou a le regard tourné vers le conseil régional de Ndéniéguablin, sollicité de toutes parts. On peut s'étonner que ce village, qui regorge de O4 et de riches planteurs de cacao de Veya,
et tous membres de la mutuelle du village se montrent jusque-là apathiques sur la question. Le bac d'Abradinou et le château de ce village de la sous-préfecture de Béthier ont été inaugurés par les ministres Patrick Hachi des infrastructures économiques et Kobena Kwasi Adjoumani des ressources animales et halieutiques. C'est un moment de fête au cours duquel les populations ont traduit leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. Restons avec Eugène Atoubé. Ils portaient leur cacao ici, ils mettaient dans des pirogues. Ils faisaient 4 ou 5 heures de pirogue pour aller vendre ça en bas. Aujourd'hui, il y a des acheteurs qui viennent ici. Ils sont même en concurrence, ils sont plusieurs, pour venir acheter le cacao sur la place. Abradinou, aujourd'hui village comblé, facile d'accès, ouvert sur les autres localités grâce à son bac sur le fleuve Komoué. On traverse des voitures, on traverse même les femmes qui vont au champ, on traverse même des motos. Donc tout le monde a passé le bac. Avec la pluie, c'était vraiment un calvaire, c'était difficile. Abradinou, en ses quartiers, villages et hameaux, a célébré l'avènement de son bac, facteur de désenclavement, sur des accents de fête et de reconnaissance au président de la République. Pascal Akabrou, président du comité d'organisation, a réaffirmé au nom de la population l'attachement d'Abradinou à la politique de bien-être des populations de Côte d'Ivoire initiée par le président Alassane Ouattara. Devant l'aréopage de personnalités invitées, élus, notabilités et populations venues partager la joie des Abradinois, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, parrain de la fête, a trouvé dans les bénéfices des populations d'Abradinou la preuve qu'Alassane Ouattara est, sur les pas de Feu Oufo-Boigny, l'homme capable de conduire la Côte d'Ivoire au progrès et au développement. Et pour Abradinou, le bac est le premier pas qui commence ce grand voyage. Les routes, l'eau, qui est source de vie, et l'électricité, qui permet d'accéder à la lumière. Ces trois éléments clés font l'objet de programmes gouvernementaux que l'on met en place. C'est de ce programme-là qu'a bénéficié Abradinou, qui a pu donc avoir accès à la route, mais au bac, qui permet également de désenclaver à travers le fleuve, à l'eau potable, puisqu'ils ont eu un château. 2 heures plus tôt, le ministre des Infrastructures économiques a jeté à flot le bac d'Abradinou, fonctionnel depuis l'année dernière. Avec son collègue de la pêche et des ressources halieutiques, ils auront mis un peu plus de 2h30 pour arriver à Abradinou, où, après la traversée du fleuve Komoué, le château d'eau, dans toute sa beauté, les attendait pour son inauguration. Le pèlerinage chrétien Lourdes, Lisieux, Nevers et Israël en Terre Sainte, quelle portée spirituelle? La question était au centre d'une conférence enseignement. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du lancement des activités 2014 de l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire. Eugène Atoubé. Les imams ont fait le déplacement de toutes les communes du pays pour prendre part à ce congrès extraordinaire du Haut Conseil des imams et oulémas de Côte d'Ivoire. Au centre de la rencontre, l'adoption des résolutions pour rendre l'islam plus dynamique. Il s'agit entre autres du retour aux fondamentaux, du renforcement de l'enseignement islamique et de l'amélioration de l'organisation du Hajj. Bon, aujourd'hui, le constat, c'est pas ça. Quand on voit aujourd'hui la jeunesse, voyons nos jeunes aujourd'hui, ils sont plus que dans les maquis et dans les bars que dans les mosquées. Ils sont plus que dans les rues que dans la maison. Là, c'est venu pour interpeller les collègues imams, interpeller la communauté musulmane pour que nous revenions vraiment à l'islam réel. Et un dernier élément, tout le monde constate aujourd'hui, le Hajj est pris par une association. Nous voulons que le Hajj soit l'affaire de toute la communauté musulmane. Venu apporter son soutien aux imams, le docteur Ali Sami, un ouléma bien connu dans le milieu de l'islam, a exhorté les imams à être des modèles pour la réussite de la mission qui leur a été confiée par le prophète Mohammed. Cheikh Bakary Sherif, le nouveau président de l'association, a été intronisé. Il a reçu la canne qui symbolise la sagesse et le Coran, la connaissance. Le Haut Conseil des imams et oulémas, les théologiens de l'islam, de Côte d'Ivoire revendique plus de 500 membres.
Voilà, et c'était le Haut Conseil des imams et oulémas de Côte d'Ivoire qui a tenu un congrès extraordinaire à Tekoubé ce week-end. Cette rencontre a permis aux guides musulmans d'adopter des résolutions pour le bon fonctionnement de l'islam en Côte d'Ivoire. Ce nouveau congrès extraordinaire a été l'occasion, vous l'avez vu, pour introniser le nouveau président de cette association, le cheikh Bakary Cherif. Après 8 jours d'activité à la fois internationale du tourisme de Berlin, la délégation ivoirienne est satisfaite. Le ministre ivoirien du tourisme, Roger Kakou, s'est prononcé sur ces différentes activités. Patricia Omuetia. Berlin, capitale cosmopolite et toujours passionnante, est une ville culturelle internationale attractive. Au cœur de cet ensemble se trouve la Foire internationale du tourisme de Berlin. C'est la plus importante au monde. La Côte d'Ivoire offre de nombreuses opportunités à ce salon. Cette destination se montre sous son meilleur jour, indique le ministre du Tourisme. Les niveaux de sécurité qui sont indispensables à un développement de l'industrie du tourisme. On a un environnement des affaires qui est de nouveau très sain. On a un dynamisme au niveau économique qui permet aux investisseurs de pouvoir entrevoir des investissements rentables en Côte d'Ivoire. L'industrie touristique célèbre à Berlin sa vitalité dans un pays dont les citoyens sont de plus en plus enclins à investir dans les voyages. Pour la délégation ivoirienne, c'est une participation réussie. La Côte d'Ivoire est de retour. Elle est de retour sur la scène internationale, aussi bien au niveau politique qu'au niveau économique. Et pour ce qui nous concerne, au niveau de développement de l'industrie touristique. Avec plus de 11 000 exposants venus de 190 pays, la Foire internationale de Berlin est l'événement mondial le plus important pour l'industrie touristique. Revenons en Côte d'Ivoire. Séguéla, les populations de 14 villages du canton Mébara viennent de choisir un chef de canton pour les conduire à un développement harmonieux. Ce chef de canton a été intronisé. Brahima Doumbia. L'union fait la force. Cet adage, les populations Koyaka du canton Mébara l'ont bien compris. Elles viennent de le matérialiser par le regroupement de 14 villages qui forment le canton Mébara dans la région du Ouarzazou. Le chef de canton a été officiellement installé. Il se nomme Dosso Mebassi. Il succède à Dosso Mebo, décédé en février 2005. Fonctionnaire à la retraite, Dosso Mebassi a été désigné par la grande famille Siela, famille garante du trône. La cérémonie d'installation a eu lieu à Gbovo, chef-lieu du canton situé à 5 km de Séguéla, capitale du Ouarzazou. Les différents intervenants ont salué le soutien de toute la région à l'occasion de cette cérémonie. Ils ont invité les ressortissants du canton Mebala à renforcer leurs liens de fraternité et de cohésion sociale. Le directeur général des cultes, Messamba Bamba, représentant le parrain, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a exhorté les filles et fils de Mébara à soutenir le chef dans sa mission de développement du canton. Une chose est de se choisir un chef. Un chef ne vaut que lorsque on lui obéit. Le chef de canton ne doit pas être un décor. Il doit pouvoir fédérer toutes vos énergies pour que cela puisse parvenir aux autorités et faire en sorte que le pays soit dirigé vers l'émergence, comme le réclame le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le chef de canton entend faire de l'électrification et l'adduction en eau potable du canton ses priorités. Au Mali, Abu Darda, un islamiste connu du nord du Mali à l'époque de l'occupation, s'est rendu ce week-end aux troupes françaises qui l'ont remis aux forces de sécurité maliennes. Toujours au Mali, 4 soldats tchadiens ont été blessés par une mine. Rendons-nous maintenant à Madagascar où des femmes handicapées sont souvent stérilisées contre leur gré. Regardez. Anta, 34 ans et une volonté de faire. Dans cet atelier de confection, c'est une employée comme les autres, malgré son handicap. Une vie presque normale si elle n'avait pas subi une opération de stérilisation. C'était au moment où elle accouchait de son premier enfant. Et pour
Une femme comme moi, une handicapée qu'on pousse dans son fauteuil et qui est enceinte, c'était un problème pour ma famille. Quand j'ai accouché, c'était par césarienne, j'étais endormie. C'est pendant que j'étais inconsciente qu'ils m'ont ligaturé les trompes. Le médecin a demandé l'avis de ma mère, qui a donné son accord. Sa mère, la voici. Pourquoi a-t-elle donné son accord ? L'accouchement était très difficile et les médecins, dit-elle, lui ont affirmé que sa fille ne survivrait pas à une deuxième grossesse. Comble du malheur, le bébé de Anta est mort quelques jours après sa naissance. Ils m'ont expliqué que Hanta avait un problème physique, mais qu'elle avait un cœur pour aimer comme tout le monde. Si elle tombait de nouveau enceinte, elle ne survivrait pas à une autre anesthésie générale vu son état physique. J'étais vraiment troublée. J'ai accepté, d'autant que Hanta venait d'accoucher et qu'elle avait déjà un enfant. Derrière l'histoire de Hanta, une question. Une femme handicapée peut-elle avoir un enfant ? Un tabou à Madagascar où beaucoup de femmes handicapées sont contraintes d'avorter sous la pression de leur famille. Et même dans ce centre qui accueille des élèves handicapés, les avis sont partagés. Les parents de Hanta s'en sont toujours occupés et connaissent ses limites. Elle n'est pas autonome. Si elle avait un bébé, elle n'arriverait pas à s'occuper de lui toute seule. Il faudrait engager quelqu'un. L'attitude de la mère de Hanta n'est pas juste. Sa fille est un être humain comme les autres. Ce jour-là, Hanta assiste à un spectacle monté par une troupe de personnes handicapées. Une façon de revendiquer le droit d'être traité comme les autres. Nous vous proposons maintenant quelques informations brèves en Afrique et dans le monde avant de poursuivre cette édition. Regardez. Les 6,5 millions d'électeurs de Serbie ont voté dimanche pour les élections législatives anticipées où les conservateurs du SNS sont bien placés pour remporter le scrutin, fort de l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Union européenne. Autrefois au banc des nations, en raison de son rôle dans les conflits de l'ex-Yougoslavie, la Serbie a réussi à surmonter cette image, notamment avec l'amélioration des relations avec le Kosovo. Au total, 6 coalitions et partis devraient se partager les 250 sièges du Parlement. En France, dans la région parisienne, le seuil d'alerte maximum de pollution aux particules à 10 micromètres a été dépassé. Ces particules peuvent provoquer des allergies, des maladies respiratoires ou cardiovasculaires. Trains, métros et autobus seront gratuits durant 3 jours. Le gouvernement français a décidé de restreindre la circulation automobile lundi à Paris et dans certains départements limitrophes, une décision impopulaire à une semaine des élections municipales. Au Nigeria, au moins 7 personnes ont été tuées et des dizaines blessées au cours d'une bousculade dans le stade d'Abuja où se tenait un recrutement de personnel de la fonction publique. Selon les témoins, la bousculade a eu lieu au moment où des milliers de candidats se sont précipités au centre du stade. Ils peuvent arranger les choses mieux que ça. Le monde est informatisé aujourd'hui. Nous vivons dans un monde globalisé. Il y a une meilleure façon d'organiser les choses. Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux de la ville. Le président Goodluck Jonathan a ordonné l'ouverture d'une enquête. Semaine de la langue française et de la francophonie en Mauritanie, cet événement draine un nombre public. Cette manifestation mobilise les enseignants, acteurs de la vie culturelle et les élites du pays. L'arabe est la langue. All right, good night, très bien, bonne nuit. Ce sont les derniers mots adressés à la tour de contrôle de Kuala Lumpur que l'on prête à la personne qui avait le contrôle de l'avion juste avant que le Boeing 777 à destination de Beguine ne disparaisse des radars dans la nuit du 7 au 8 mars dernier, ce qui entérine encore davantage l'hypothèse d'un détournement du vol de la Malaysia Airlines. Et puis revenons en Côte d'Ivoire, le 4e recensement général de la population et de l'habitat a débuté ce matin sur l'ensemble du territoire national et prendra fin le 16 avril prochain. Cette opération est pilotée par l'Institut national de la statistique. Elle mobilise 30 000 agents et coûtera 12 milliards de francs CFA répartis
entre l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires au développement. Le président de la République, Alassane Ouattara, que vous voyez maintenant, premier citoyen du pays, a donné l'exemple ce matin en recevant les agents recenseurs à sa résidence pour son recensement. Son épouse, Madame Dominique Ouattara, a aussi été recensée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.